Eh bien le bonjour mes petits gens, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Mobile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite de notre quête Hamster que j'avais entamée. Alors j'ai des nouvelles demandes d'amis, donc j'accepte. Je sais pas si je peux en contenir parce que là j'ai ma liste qui se remplit. Je sais pas si ça supprime des personnes qui étaient là avant ou pas, ou si ça se met. Bon, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, enfin, à me mettre en ami, ou à réessayer si jamais vous ne me voyez pas apparaître, parce que là, je suis paumé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui me disent qu'ils sont bloqués à la fête d'anniversaire. Je pense que nous on a une quête justement fan, aller à des fêtes serait un moyen fantastique de rencontrer du monde en mode relooking, terrain fertile, meubles pour personnalité, décoration, travailler pour réussir. Le grand jour, je commence à avoir envie de mariage, d'une cérémonie. Alors pour se marier, vous dites approfondissez une relation amoureuse jusqu'aux fiançailles. Ensuite mariez-vous sous une arche de mariage. Voilà. Alors j'hésite. Alors on va essayer. Bon, on va commencer la quête, on va dire, Hamster. L'histoire Hamster. Et ensuite, je pense qu'on ira à une fête d'anniversaire, vu que je l'ai enclenché avec notre ami Pierre. À la honte. Elle a eu peur, je crois. Elle a eu peur. On va regarder un petit film. Dans le fauteuil, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas trop grave. On l'a cessé ses doigts. Hein. Ah oui, on l'a cessé les doigts comme ça. D'accord. Donc là, on peut déjà faire une prise de risque. Avouer son attirance. On va attendre à la prise de risque. Vous avez vu, on enchaîne ça rapidos. Mais j'ai envie de vous en montrer le plus possible, en fait, dans le... Dans une vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas encore débloqué les loisirs. Alors là, on va faire une prise de risque. Attention. Wouhou, le premier bisou. Le premier bisou est là. Ah, mais il enchaîne. Il enchaîne, le petit coquin. Et il y en avait deux. Bah, c'est où? Donc on avance bien, il nous reste 18 énergies avec ce personnage, c'est très très bien. Surtout que je peux aller les faire retourner manger, enfin dormir, toilette, douche. Non, pas encore pour la prise de risque, on va encore attendre un petit peu. Là, on a un peu le temps. Ah mais on est déjà à la fin en fait. L'événement est terminé. Quoi que ce soit, j'adore ça. Toi et moi, tous les deux, j'ai vraiment hâte de te revoir. Nous habitons ensemble. Bon, on a terminé un chapitre, les amis. Hamster. Il était vite, hein? Je crois que mes yeux ont... Ah, tu as vraiment dit ça, je te pardonne pour cette fois. Mais seulement parce que tu es vraiment mignon. Ouais. Et là, il y a une quête de Terminus aussi. Voilà, on a approfondi la connexion. En fait, je trouve que dans cette version, sincèrement, il y a beaucoup plus de choses à faire, vous voyez. Du coup, c'est assez sympatoche. En plus, on gagne des billets. Chose qu'avant, on peinait pour gagner les billets. Hein. C'était juste avec les tâches à faire. Alors là, par contre, petite pause à la maison. Ou rancard excitant. Donc, j'ai fini, en fait, les trucs des canards, là. Enfin, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai essayé sur 50, mais j'en ai fait, oui, quelques-uns. Et là, en termes de quête, j'ai me regardé dans un miroir, mais j'ai pas encore accès. Enfin, c'est pas trop grave, hein. On y reviendra. Alors là, qu'est-ce que je voulais faire, déjà? Qu'est-ce que je voulais faire? Aller à une fête d'anniversaire? Bah, déjà, oui. Je vais trouver une fête, voilà, d'anniversaire. Donc c'est pareil, j'ai peut-être dans l'optique de créer ma fête d'anniversaire justement pour un épisode exclusif où ceux qui sont dans mes contacts pourraient participer. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous dis dans une petite vidéo quand je le ferai en fait.
Donc là, on va aller chez Abby. Abby, tiens, on va voir s'il n'y a pas. J'ai pas des amis. Ok. J'ai pas, je crois. Alors, on va aller chez Kitty. Chez Abby. Voilà. Donc, quand on arrive en fait à une fête d'anniversaire, habillez-vous, faites-vous remarquer. Ouais, c'est parti, d'accord. Et je crois que je l'avais déjà fait en fait dans le tuto. Vous avez certainement dû le voir. Hein. De toute façon, pour partir, c'est simple, c'est faut appuyer sur la petite voiture en bas à gauche. Et là, on va participer pour la quête. Voilà. Oh, cet enchaînement, c'est tout beau. Ils ont de ces robes. Moi, j'aime pas. Je suis pas fan des robes. Mais ils sont électriques, on dirait. C'est un truc de fou. Mince, j'ai fait ajouter aussi mon contact. Parce que je voulais faire. Tout, tout, tout. Je croyais que j'avais validé, mais non. Montrer sa capacité à manger. Présentation amicale. Allez, on va faire un concours d'Anka avec Young. Je suis en train de manger, regardez. Ah, super le concours, t'as plus de risques de t'étouffer que de gagner ce concours. Tiens, on va déballer les, on va échanger les cadeaux. Avec Young, allez, on continue avec Young. Son anniversaire, mais c'est pas grave. En fait, c'est ça, c'est une fête d'anniversaire, on dirait un truc de Noël. Elle est où, Abby, en fait? Donc, c'est elle, là. Donc, vous voyez qu'en fait, en tant qu'anniversaire, on a que 10 énergies, mais c'est normal, ça ne prend pas logiquement sur l'énergie. Ouais, Abby, c'est celle à lunettes, alors on va parler avec elle. Ça ne prend pas sur votre énergie de base. Hein. On va le voir de toute façon. On finit. Bravo! Voilà. Et après, bah, pour quitter l'anniversaire, c'est comme je vous disais, vous allez en voiture. Et chez vous. Rentrer, ça quitte l'anniversaire, vous n'y êtes plus. Cool, ok. Vous n'y êtes plus du tout, vous avez vos 30 énergies, comme je le disais. Maintenant, vous êtes toujours dans la discussion, en fait, et dans la fête d'anniversaire d'Abby. Pour la quitter, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre la fin, donc 23h et 46 minutes. Voilà, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner, en fait, dans le petit menu là, cliquer sur les ballons. Et normalement, ils vont. Il y a un autre truc, hein, mais ou les enveloppes, je ne sais plus, mais ils vont vous dire qu'en fait vous avez réussi, blablabla, et puis vous gagnez une récompense, tout simplement. Donc, là, comme mon Sims est revenu, on va faire un rancard excitant une nouvelle fois pour augmenter les relations. Ce qui est bête, c'est qu'on peut pas aller faire des rancards ailleurs en fait. J'adore quand il parle, c'est excellent. Mais ils sont fous, ils sont ma boule. Ma boule, c'est Mitty Sims. Sagoony. Non mais ils sont tout pétés là, Non, pas tout de suite la prise de risque, j'attends. J'attends vraiment la meilleure... meilleur choix. Le meilleur moment pour l'accomplir.
Donc désolé si je parle un peu du nez, je suis enrhumé, donc du coup voilà. C'est un peu pénible. Surtout qu'on tourne des vidéos en fait, c'est là que vous êtes en train de vous dire, bah mince, ah. Là vous pouvez pas couper les petits, les trucs comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va être une vidéo coupe-coupe. Allez, on va retenter de l'embrasser, normalement ça passe. Hein. Vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire deux fois. Prise de risque accomplie. Là j'alterne entre les deux, vous savez, au moins c'est plus pratique. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont cassé? Non, bon, ça va, un simflou, c'est pas trop cher. Comparé à certains meubles ou télé qui coûtent super cher, genre le frigo l'autre fois c'était 300 je crois. C'était là, je fais une... Pas tout de suite. Mais si je fais ça, en fait, en plus de refaire, d'avancer dans l'histoire, tout ça, c'est aussi pour vous montrer le mariage. Hein. Et parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une relation fiançailles. Qu'est-ce qui est encore cassé? La table? Oh non, les touilles en train de se casser, quoi, j'en ai marre. Arc-en-ciel et tout, quoi. J'ai eu peur parce qu'avec la musique, j'étais pas sûr que ça fonctionne. Voilà. On continue les enchaînements. Là, bientôt niveau 8 en plus. C'est nickel. On va jouer action vérité. Allez, prise de risque. Normalement, j'ai peut-être un cupcake en stock, hein, si jamais il faut. Mais là, je crois qu'on va plutôt aller dormir. Bon, j'ai ma pièce vide, elle sert à rien, hein, strictement à rien pour l'instant. Mais même pas besoin. On a fini. En 80, on monte niveau 8. Voyez habile. Alors là, je crois qu'on a débloqué le loisir cuisine. Vous savez, j'envisage de commencer un loisir. Et bien, d'accord. Donc là, rien de plus simple. On va dans la case loisir cuisine. Bon, on va prendre la moins chère. Là, si vous avez vu, il faut 15 trucs quoi. Bon, et au moins, l'avantage. C'est que ça prend pas feu. C'est vrai, hein. Enfin, c'est eux qui font un truc... designer prometteur, ouais. Ok. Choisir pour plus tard. Alors là, j'ai récupéré et récupéré. C'est cool, on enchaîne, on a une nouvelle quête qui vient d'arriver. D'ailleurs, ça, je l'avais pas vu. Participé à 3 fêtes. D'accord. Il en faudra encore une. Bon, ce sera la mienne. Ok. Donc les loisirs, vous les débloquez comme ça au fur et à mesure en montant de niveau aussi. Hein. Je veux dire, je crois pas qu'on puisse faire... comment dire, loisirs guitare par exemple, je crois que c'est niveau 11, voilà. Vous venez d'acheter votre première station de loisirs, tapotez là pour commencer un loisir cuisine. Ben... Ah, c'est parce qu'en fait je me suis trompé de truc. Voilà, on va apprendre. Enfin en cuisine, premier pas en cuisine. Sims aux multiples talents. J'ai toujours voulu apprendre à cuisiner. Cela me permet d'épater les amis ou de survivre en cas d'apocalypse. Bon, en tout cas les amis, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Donc on a fini le choix du loisir. Hop. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout portez-vous bien. Bye bye.